Quelles sont vos impressions sur le bateau? Quand on se lève, on sent que ça tangue un petit peu. Mais ça va, franchement, on est bien. Très bizarre, puisque les gens qui ont mangé, je croyais que j'allais tomber par terre. So where do you live aboard this vessel? Oh, this is my boat here, man. I'm sharing with my husband and five children. Seven of you in here together? All of us in the one boat. Oh, dear Lord. It stinks. Why does it smell so bad? You smell. A lot of people in this boat were very seasick last night. And it's all at the time. Je pense que c'était une belle histoire. Après une première nuit dans les familles, écoutons le ressenti des élèves. On a essayé de communiquer assez, enfin, pour dire des choses basiques, mais on a essayé. On a été super bien accueillis, on a bien dormi et tout, on a chacun notre chambre. Les repas qu'on nous a servis, ils étaient très bons, donc on ne peut pas rêver mieux. On arrive à communiquer, mais l'anglais, c'était pas trop. C'était super bien, par contre, ils parlent hyper vite. Alors, cette journée à vélo? Sauf les coups de soleil, on dirait pas. J'ai pas une. Non, vraiment, c'était bien. C'est dommage, c'était pas si sportif. Mais sinon, c'était vraiment sympa. Le paysage était vraiment cool. Retour sur cette journée dans les falaises de Moher. Le paysage était magnifique et on a eu un super beau temps. Et en plus on a pu observer des macareux, alors voilà, c'était bien.
said, when you leave, you said, au revoir. Au revoir, au revoir. We just said... Actuellement avec Monsieur Lardet, l'organisateur de ce voyage, êtes-vous satisfait du déroulement du voyage, monsieur ? Ben écoutez, la semaine se termine déjà, c'est passé à une vitesse folle. Pour notre part, avec mes collègues, on est vraiment ravis du voyage. La bonne surprise, ça a été le temps qui a été au rendez-vous du début à la fin, avec un soleil extraordinaire, on a eu des coups de soleil au lieu d'avoir de la pluie, donc c'est super. Les visites ont vraiment été très intéressantes et aussi magnifiques pour les paysages, que ce soit le parc du Connemara, un fjord, les tourbières, c'était vraiment extra. Et puis aussi, surtout, il faut le dire, le comportement des élèves a été irréprochable. On a eu très très peu de reproches à leur faire. Ils se sont bien tenus, ils ont bien profité. Donc on est vraiment ravis et on est presque déjà à la tête à l'année prochaine pour préparer le futur voyage.